Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. La grandeur de l'homme, c'est qu'il est un pont et non une fin. Personne ne peut bâtir à ta place le pont qu'il te faudra toi-même franchir sur le fleuve de la vie. Personne, hormis toi. Il faut que tu veuilles brûler dans ta propre flamme. Comment voudrais-tu redevenir neuf si tu n'es pas d'abord devenu cendre ? Le serpent qui ne peut changer de peau meurt. Il en va de même des esprits que l'on empêche de changer d'opinion. Ils cessent d'être esprits. Tout ce qui a son prix est de peu de valeur. Les autres sont essentiellement des miroirs de toi-même. Tu ne peux aimer ou détester quelque chose chez autrui que si ce quelque chose reflète une chose que tu aimes ou détestes en toi. Chaque homme cache en lui un enfant qui veut jouer. Celui qui lutte contre les monstres doit veiller à ne pas le devenir lui-même. Or, quand ton regard pénètre longtemps au fond d'un abîme, l'abîme, lui aussi, pénètre en toi. Que dit ta conscience ? Tu dois devenir celui que tu es. Un penseur voit ses propres actions comme des expériences et ses questions comme des tentatives de trouver quelque chose. Le succès et l'échec sont pour lui des réponses avant tout. Il n'y a pas de fait, seulement des interprétations. Les convictions sont peut-être des ennemis plus dangereux de la vérité que les mensonges. Vivre, c'est souffrir. Survivre, c'est trouver du sens à cette souffrance. L'individu a toujours dû lutter pour ne pas être submergé par la tribu. Si vous essayez, vous serez souvent seul, et parfois vous aurez peur, mais aucun prix à payer n'est trop élevé pour avoir le privilège de se posséder. On commande à celui qui ne peut s'obéir à lui-même. Plus nous nous élevons, plus nous paraissons petits à ceux qui ne savent pas voler. La manière la plus sûre de corrompre une jeunesse est de l'instruire à tenir dans une estime plus élevée ceux qui pensent d'eux-mêmes que ceux qui pensent différemment. Et ceux qui dansaient furent considérés comme fous par ceux qui ne pouvaient entendre la musique. La maturité de l'homme, c'est d'avoir retrouvé le sérieux qu'on avait au jeu quand on était enfant. Seules les pensées qu'on a en marchant valent quelque chose. Je vous le dis, il faut encore porter en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. Or, ceci est mon chemin. Où est donc le vôtre ? Voilà ce que j'ai répondu à ceux qui me demandaient le chemin. Le chemin, en effet, n'existe pas. Croyez-moi, le secret pour récolter la plus grande fécondité, la plus grande jouissance de l'existence, consiste à vivre dangereusement. Il y a toujours un peu de folie dans l'amour, mais il y a toujours aussi un peu de raison dans la folie. Parfois, les gens ne veulent pas entendre la vérité, parce qu'ils ne veulent pas que leurs illusions se détruisent. Celui qui a un pourquoi, qui lui tient de but, de finalité, peut vivre avec n'importe quel comment.